Salut à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez le cœur, mettez le pouce comme ça. Si vous m'entendez, mettez le pouce comme ça. Si j'ai l'impression que... Si vous m'entendez, mettez le pouce comme ça. Riami. Voilà. Voilà. Merci à tous. Là, je vais faire un petit direct. Pour parler de ces influenceurs-là. Partagez la vidéo, les gars, partagez. Partagez, 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 partagez. Justice pour Martinez Hugo. Voilà que la liste est sortie. Il y a les pleurs partout. Oh, les pleurs partout. Oh, les pleurs partout. Les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Hein? Tous ces mendiants-là, tous ces mendiants-là, hein? Ils sont tous sortis. Vous avez profité de ça. Certains ont profité de ça pour se faire voir. Certains que on ne voyait même pas. Pourquoi vous sortez maintenant pour parler? Pourquoi? C'est quand on cite vos noms. C'est quand on cite vos noms que vous venez parler. Pourquoi c'est quand on cite vos noms que vous venez parler? Et vous avez profité. Mais vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Justice pour tous. Justice pour Martinez Ogo. Justice pour tous les Camerounais. C'est le moment que vous deviez profiter. C'est le moment que vous deviez profiter maintenant là. Oui. Vous devez profiter et dire ce que vous pensez. Et dire, profiter. Que tout le monde, que ça soit une indignation collective. C'est maintenant que vous devez parler, vous ne voulez pas toujours parler. Maintenant, vous voulez éloigner le sujet. Vous voulez, certains veulent amener ça dans le tribalisme. Certains viennent là pour se faire voir. Oh, je suis le manager. Je suis le manager de Tic Dengue. Qui te connaissait? Qui te connaissait, tu étais le manager, tu profites, on parle de Tic Dengue, un autre vieil pose, il dit que voilà le manager. Je vous ai dit qu'on ne vous donne, on ne donne pas l'argent à ces gens-là. On ne donne pas l'argent, on vous donne du matériel. Vous êtes tous des pauvres. Regardez le pays, regardez un pays. Vous êtes là, vous marchez avec des grosses voitures. Vous marchez avec des grosses voitures, dans les poussières. Vous ne pouvez même pas vous indignez. On vous donne des grosses voitures. Vous êtes là avec dans les poussières. Hein? On vous donne des restaurants. On vous crée des compagnies de shawarma. On vous donne des espaces. On vous crée. Vous pensez qu'on ne connaît pas ça? On ne vous donne pas l'argent. Parce que si vous aviez l'argent, vous ne deviez même pas rester dans ce pays-là. Si on donnait à quelqu'un les 30 millions, la cash comme ça, là, vous ne devez pas rester. Vous ne devez même pas rester parce que ce pays est invivable. Mais on vous donne du matériel, on vous donne des voitures, on vous donne des petits studios, des maisons. C'est ce qu'on vous donne. On vous lance dans vos projets. Regardez-moi les gens. Les gens qui ne sont même jamais allés dans une école de cinéma. Tout le monde veut être acteur. Tout le monde veut être influenceur. Vous influencez quoi? Franchement, vous influencez quoi quand vous êtes muet? Même dans vos comédies, mais vous ne parlez même pas des faits de société. Même dans vos comédies. Vous influencez alors que le peuple a comment? Vous êtes content de vos 2000 likes. Quand vous faites une photo, on pose, vous êtes content. C'est ça votre niveau de star. Parce qu'au Cameroun, influenceur, ça veut dire star.
Influenceur, ça veut dire star. Maintenant, vous voulez éloigner le problème Martinez Ogo pour commencer à dire que vous êtes important. On parle de vous. Voilà le moment où il faut s'indigner. Voilà le moment où il faut parler. Ne venez pas changer le sujet. On veut que vous parlez de la justice et ça va aider tout le monde. Ça va vous aider aussi. Vous influencez quoi? Vous influencez quoi? Vous n'êtes que des prostituées d'État. C'est ce que je vous ai, ce que on peut vous appeler. Vous êtes des prostituées d'État. Vous n'avez même rien. Un pays comme ça là qui n'a rien et il y a des influenceurs partout. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Un pays qui n'a rien, qui produit tout, mais vous n'arrivez même pas dans vos contenus à parler de faits de société. Chacun veut être comédien, chacun veut être chanteur, chacun veut être ceci. J'ai vu un petit lapto qui a brûlé le drapeau ivoirien avant là. Aujourd'hui, il vient demander les excuses, il dit qu'il est ivoirien. Regardez-moi le niveau. Oh, ma mère camerounaise, mon père ivoirien, et tu partages. Tu envoies ça pour qu'on partage, pour que tu sois star, pour que les Ivoiriens partagent. Les Ivoiriens t'ont dit que c'est fini. C'est fini. L'usine de fabrication des Camerounais est finie en Côte d'Ivoire. Vous avez dépassé le niveau. L'usine de fabrication est finie en Côte d'Ivoire. L'usine de fabrication, les Ivoiriens, c'est mes potes. Les Ivoiriens ont dit que l'usine de fabrication est finie. Vous ne pouvez même plus mettre pied en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez plus. Votre niveau là, vous allez seulement rester dans votre pays là. Vous allez rester là-dedans, être star de votre quartier. Les Mboudman comme ça, mon frère. On met une liste de là où tout le monde sort du trou. Même les Nathalie quoi, tout le monde est sorti. Hein. Tout le monde est sorti, même pas avoir la honte. Tout le monde est sorti. Jipon vous a touché. Parce que si vous n'avez pas pris, vous ne deviez pas venir. Tellement vous êtes bête. Si vous n'avez pas pris, c'était même mieux de se taire. Mais quand vous aimez la visibilité, vous êtes venu pour vous justifier. Une comme l'étoile caribienne, la Nyonda, elle vient parce qu'elle là, elle veut la visibilité jusqu'à. Donc elle préfère même vendre son âme pour se faire voir, pour que sa chanson ou ses produits se vendent. Mais c'est tellement bête. C'est tellement bête. Quand tu viens, tu n'es pas dans le bon sens et tu attends que les gens vont acheter ton produit, mais jamais. Maintenant, tu fais les lives, tu dis qu'on veut salir ton produit. Qui connaissait que tu as même un produit? Qui connaissait que tu as un produit? On fait ça pour salir ton produit. Bonne publicité, mais mauvaise, bonne publicité. They say bad publicity is a good publicity, but the consequences of that bad publicity is what you pay. Tu n'as même pas honte de venir, tu commences à dire oh, on va salir mes produits, vous allez prendre, amener, on va tester. Oui, ton produit est non agricole, on connaît, mais qui va acheter quand tu manges l'argent du sang? Qui va acheter? Les petits qui sont au pays là, quelqu'un me dit, oh, je suis au gars, j'étais au Gabon, on vient dire que j'ai pris l'argent. Et il oublie, et dans ce dit, il dit, je suis venu acheter ma voiture. Ils sont bêtes les Camerounais. on dit que tu as volé les millions. Tu viens dire que moi j'étais pas moi là, moi je suis venu acheter ma voiture ici là. Et une voiture qui coûte combien? Une voiture qui coûte peut-être 30 millions ou 25 millions. Mais tu es bête. Il dit que il est venu acheter sa voiture.
Quand on dit que tu as pris l'argent, et tu viens nous dire, tu viens te justifier en disant que moi, c'était pas moi là, je n'ai pas pris l'argent, je n'étais même pas au Cameroun. Moi, je suis venu au Cameroun acheter ma voiture. Ils sont tellement mendiants qu'ils oublient même, parce qu'ils n'ont pas de sagesse, comme Danny Scorpio dit, que vraiment vous n'avez même, vous pouvez aller à l'école même, non, aller même à l'école, mais la sagesse là, les hier, les années 90, 2000 là, ils n'ont aucune sagesse. On dit que tu as volé l'argent, tu dis que non, je n'ai pas volé, moi je suis ici pour acheter ma voiture. Tu as volé 45 millions. Non, je suis ici pour acheter ma voiture, je suis au Gabon pour acheter ma voiture. L'autre qui dit que, l'autre vient, il sort, il commence aussi à faire, il dit que, oh, je supporte Martinez Zogo. J'ai arrêté de faire mon usine de shawarma. L'usine de shawarma, qui t'a donné l'argent de shawarma? Tu fais quoi? Tu fais quoi pour créer une usine de shawarma, pour faire ton business de shawarma? Ok, tu nous fais comprendre que tu auras le shawarma. Bientôt, tu auras une usine de shawarma. Tu veux nous comprendre? Bonne publicité encore. Vous pensez que vous jouez avec les... Vous avez des petites sagesses comme ça, là. Petite sagesse. Tu veux nous faire comprendre que, ok, c'est pour ça que j'ai arrêté mon business de shawarma. Qui t'a donné l'argent du shawarma? Une petite politique comme ça. Steve Favien, il dit, je me suis tué parce que... Regardez comment on vous dit même de parler des choses. Steve Favien dit que mon silence, c'est parce que... Aïe, les gars, là, vont faire la silence. Mon silence, c'était parce que... J'étais dans mes business de 500 millions. Attends. Mon silence, j'étais moi dans mon projet, hein, de 1700 hectares. Hein, c'est pour les membres seulement. Qui t'a donné l'argent de ça? Qui t'a donné l'argent de ça? Chacun vient pour dire que c'était comme ça. Vous faites votre publicité. Tu as travaillé quel argent, les 3 minutes là? C'est ça qui t'a donné tout l'argent là. Tu as escroqué les appareils de Tara. Tu es venu dire qu'on a volé dans le taxi. Tu sais combien coûtent les appareils, le studio? Quand on a volé dans le taxi, les gens ont fermé la bouche. C'est passé comme ça. Aucune enquête. L'argent du gouvernement. Tara, c'était ton argent. Tara, c'est la compensation. L'argent de la maquette. De la mascotte de la CAN. Tara, c'est l'argent de la mascotte de la CAN. Que vous avez escroqué au Turc. On connaît ça. On t'a donné. Pourquoi depuis, tu ne parles plus? Tout le Qatar, là, tu n'as pas parlé. Parce qu'on te demande de venir donner les comptes de Tara, tu ne peux pas. Tu as dit qu'on a volé. Les petits bandits comme ça, mon frère. Les mendiants. Ils vont te dire qu'ils ont l'argent. Vous avez quel argent? On vous dépanne comme ça. Vous vendez vos âmes. Et vous n'avez rien dans ça. Après, on va finir avec vous. Il y a d'autres stars qui viennent. Après, pour vous, c'est fini. On renouvelle ça. Il y a d'autres qui arrivent. Pour vous, là, va finir. Et pour reprendre, on finit avec toi. Steve, pour toi, là, tu as 500 milliards de dettes. 500 millions, demi-milliards de dettes. Va gérer ça, tu vas voir. L'argent des illuminés ne part pas comme ça. Jamais. Quand tu vois les gens, on met les gens en prison comme ça, c'est pourquoi? On ne part pas comme ça. Quand une nouvelle star arrive, un nouveau talent vient, un nouveau sang vient,
On prend le sang, les vieux sang là, on finit avec vous. On finit avec vous. Vous devenez les bloqueurs, les influenceurs d'État. Vous avez vu comment l'artiste d'État, Janet Gento, on l'a enterré avec 3 millions, artiste d'État. 3 millions, on n'a même pas géré. Quelqu'un qui parlait de, qui parlait, je suis artiste d'État. Il y a quelle autorité qui est arrivée à son enterrement? Quelle autorité est arrivée à son enterrement? Quel ministre est arrivé là-bas? Maintenant, vous voulez tourner comme ça. On vous dit que profitez pour la justice. Les chanteurs, là, profitez. Longa, longa, tu passes ton temps à mendier, à prendre ici, prendre là-bas. Mais le robinet de la diaspora est fini. Et même cette diaspora-là, c'est même cette diaspora-là, même, je peux même dire que c'est même cette diaspora-là. Les diasporas, les gens qui se disent que c'est la diaspora positive, là. Quelle positive? C'est les, vous-même, vous êtes des escrocs. Vous-même, vous êtes des corrompus. Vous qui ne partez pas, là. Vous qui passez votre temps à voyager. Quand on met le visa à 300, on met le visa à 300, vous payez toujours. On met le visa à 300. Il y a toujours les Camerounais qui arrivent, on vient les retirer dans. Ils ne, payent, ils ne prennent même pas le visa. Ils arrivent, on les prend dans l'avion. Avec leur test de Covid déjà fait là-bas. Avec leur visa déjà fait là-bas. Mais vous ne vous plaignez pas. On augmente la douane. Vous ne vous plaignez pas. Les corrompus, tous, que ce soit vous, au pays-là. Mais je veux voir mes enfants grandir. Oh. Je ne veux pas faire la politique. Oh. Vous là, c'est vous là qui gâtez le pays. Vous qui êtes mieux là. Vous avez les influenceurs. Un pays même. Hein. On doit fermer, donner la clé aux Gabonais. Que gardez-nous, on va venir. Le jour qu'on vient, vous souffrez. On ferme. On donne la clé aux Gabonais. On donne ça aux Ivoiriens. On rase tout le monde. On donne la clé au Gabon. On dit, gardez-nous ça, pardon. Gardez-nous ça. Quand on revient là, il n'y a rien là-bas. Personne ne peut arrêter l'autre. Voilà Belinga qui est en prison. Laura et Sophie fait quoi? Laura et Sophie se balade, il se fait quoi? Hmm? Ça s'est passé la dernière fois. Les gens ont volé, vrais voleurs volent. Et ils se baladent. Ceux qui n'ont même pas volé, ils sont en prison. Ceux qui ont seulement marché, Boubiouni serait en prison. Fogué en prison. Les pauvres, qui n'ont même rien fait. Il y a les gens qui ont volé les milliards. Ils sont en remarche. Pour quel pays ça? Vous pensez que le karma de ces gens-là ne veut pas entrer sur vous? Voilà Bibounissa qui n'a rien fait dans ce pays-là. Le pauvre, un homme intelligent, smart, beau garçon. Il a tout le package. Hein? Tout. Mais il est en prison, il est en train de mourir pour rien. Hmm? C'est la diaspora. Ce pays-là, ils savent que au moins chaque famille au Cameroun a une personne. A une personne à la diaspora qui va mourir pour sa famille. Mais tu vois toujours les petits salauds de la diaspora là qui sont toujours en train de partir. Vous êtes toujours en train de dire que on va dédouaner. Beaucoup même sont les Bamileke là. Moi j'ai toujours dit ça. Que c'est vous qui gâtez même ça. Vous qui faites trop le business là. Parce que les Nkois ne font pas les business. La douane est chère, tout est cher. Mais hier, vous êtes toujours en train de partir. Après, quand on vole vos micmacs là au port, vous venez nous mettre ça sur la toile. Quand on escroque votre argent, vous venez nous mettre ça sur la toile.
L'injustice. Quand on crie l'injustice, vous êtes où? Quand on dit injustice, vous êtes où? Vous n'êtes pas là. Mais quand on vole vos micmacs là au port, vos saletés là au port, que vous ramassez ici là, vous venez vous plaindre, vous poster. Yo, on a volé mes trucs. Ça fait à tout le monde va passer par là. Tout le monde va passer là. Vous là-bas au Cameroun. Maintenant, vous voulez mélanger les histoires. Vous voulez dire que... Oh, c'est-à-dire sur le tribalisme. Quel tribalisme? On dit justice pour tous. Et même vous là-même, vous parlez maintenant. Martinez est la seule personne qu'on a tuée. Martinez était là. Quand on a tué les gens au Nozo, 3000 personnes au Nozo. Vous n'avez pas parlé. Maintenant, on vient vous citer dans une personne. Et j'ai parlé, hein. J'avais posté ça, vous n'avez pas seulement vu. Bullshit. On a tué Florence Awafor. Vous avez parlé. Pardon, citez-moi les noms des gens. Gabou, vous avez parlé. Vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de rien. De rien. Vous n'avez parlé de rien. Vous connaissez vous connaissez comment on a tué certaines personnes au Nozo. Vous avez vu comment on a tué Florence Awafor. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez comment on a tué ces gens? Vous n'avez rien dit. Parce qu'on crie votre nom sur un. Martinez Zogo est venu ouvrir les yeux des gens. On cite vos noms, vous vous plaignez. Les mendiants. Bof. Maf. Oh, c'est bon, non, sur un truc. Vous croyez que vous avez tué? Oh, j'ai dit, j'ai posté. Tu as posté quoi? Quand tu es les anglophones, ce n'est pas les Camerounais. Les anglophones, ce n'est pas les Camerounais. Oh, qui m'appelle là, non? Non, ne m'appelez pas. 1, 3, 1, 0, 2, 1, 8. Quand tu es Forest, vous n'avez pas vu. Quand tu es les anglophones, vous avez dit que vous étiez muets, non? Parlant même des anglophones là, même vous les anglophones là, moi aussi, venez prendre votre colis. Votre colis. Voilà le moment qu'on doit se mettre ensemble. Beaucoup des anglophones sont dehors. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui se passe au Nozo, c'est l'injustice. Ce qui s'est passé, c'est l'injustice. Voilà le moment où on profite, tout le monde va profiter pour Martinez Zogo, pour dire l'injustice partout. Mais vous-même, vous êtes muets. Vous faites exactement camerounais typique. Vous étiez muets quand on nous tuait, maintenant c'est votre tour. Et maintenant, quand ça va repartir chez vous encore, les francophones vont aussi dire que, oh, quand on tue aussi, vous étiez. Ça, c'est quoi? On va où là? On va où là? On va où? Je ne vois pas les blogueurs anglophones même parler de ça. Tous les anglophones devaient se lever, profiter de ça, qu'on se mette ensemble. Voilà le moment que c'est la majorité de. Le Cameroun, la majorité est francophone. C'est là où vous, les anglophones, devez vous mélanger avec nous maintenant. Vos blogueurs se lèvent, on parle de Martinez Zogo. Mais personne. Mais vous êtes en train de dire que, ok, quand c'était pour vous là, quand tu es, vous étiez où? Now, on a go start now. Where we there? Oh, we not told anything. Now, we are on don't start. Where are we going with that? Where would you go with that other thing then? When my own show say, now you be the strong. Oh, now, we are on turn with that. So now, turn by turn. Now, who they suffer now? Everybody they suffer. Now, this time, all we will get together so. When we get together, just hammer all these people them. Show them, say justice. They for all Cameroonian them. But when I now keep quiet, say, now their turn. Where would you go with that all that thing them? Why we won't show say now their turn? We're all Cameroonian. If this Zogo thing don't open my eye, it don't open everybody's eye them. So now so
Nous avons comme John us, John francophone. Mais justice, mais we clear all that government where they hammer on a pour nord-ouest à ouest. Yes, that's how it's supposed to be. Nous allons juste keep quiet. Because when I keep quiet, those who are supposed to talk are not talking. Those who are talking only are still talking about Amazonia. How long are we going to talk about Amazonia? For how long? People are still suffering. There's still a lot of kids in Douala Yaoundé suffering. There's still a lot of kids in Douala Yaoundé suffering. They're just lost like this in the air. They're lost in some city that they've never been. Some of them are born there. And they will not have even no justice. How are we going to survive like that? All this smoke here where they go to Douala Yaoundé, so how are we going to get them back? If I just say we're going to stick for Amazonia thing, because there are some bloggers, Anglophone, who are supposed to be talking, but they're not talking about it. I see that. Another group is just there, very skeptical, that say, okay, nothing what we want. When we're going to get that thing now, when are we going to get it? If you not fight for justice, if you not fight, say, justice for Martinez Ogo, justice for all Amazonia, I don't want to talk about Amazonia, all Northwest, Southwest. Because now you now realize that we all in the same boat. Thing will happen to Paul, don't happen to John now. Thing will happen for Una, now it happened for them too. The way they kill Florence Awafo, now so they kill Martinez Ogo. So now the same thing. The way they kill Bebe Mata, they kill this man too, the same thing. Mais c'est bizarre, Solange. Il y a tellement d'orgueil. Selfishness dans les deux camps, et c'est ça qui tue le Camerounais. Chacun a une organisation perso, chacun veut seulement, chacun ne cherche même pas à savoir si ce qui arrive à l'autre va m'arriver un jour. Mais quand ça arrive, c'est là où il ouvre les yeux, mais l'état. So Anglophone, we have to ask for justice. If you don't want to ask for justice for Martinez, ask for justice in Northwest, Southwest. Because there's a lot of injustice did that side. Injustice, the way they treat Una there, I did feel it from day one. It wasn't the right thing. Your fight was legit, even though it's escalated to that point. It was legit. You were right. So this is the moment that you should take that. When I take that opportunity, join. Say now we mix together. May we clear that government. May we clear that government. Amba don't want anything to do with us or with you or with me. But the point is that where is it going to end? Till when? There's a deadline. Till when? They're just selfish for themselves. It means Amba is selfish for themselves because he had l'avenir. They're just selfish for themselves. All the house, the houses are burned, everything. When are they going to do all that reconstruction? Quand ça va? Est-ce que quand les choses vont encore bien se passer au nord-ouest, au sud-ouest? Quand est-ce que ça va se passer? Donc, il faut qu'il y ait un jour. Je parle avec un kid. Tu es un salaud, Boudman. Tu n'es qu'un salaud. Tu es un pied fou. Tu sais pas ce que tu es en train de dire là. Hein? Tu sais pas ce que tu es en train de dire là. Donc vous les influenceurs là, que ça soit du côté anglophone, que ça soit du côté francophone, vous êtes que des mendiants.
Laissez-moi ça. Même les anglophones influenceurs, c'est des mendiants. C'est des vrais mendiants. C'est des vrais mendiants. Vous tous savez, il n'y a personne qui aime. Vous êtes des mendiants. Parce que si vous mendiez à un pays pauvre, un pays qu'on vole les milliards, et vous ne parlez pas, c'est que vous êtes des mendiants. Vous êtes tellement mendiants que les Ivoiriens vous voient. Les Ivoiriens disent que ne passez même plus dans leur pays. Votre stamania est finie. Les Ivoiriens ne vous gèrent plus. Les Ivoiriens vous ont souillé. Les Ivoiriens vous ont souillé. Les Ivoiriens vous ont souillé. Seulement vous dire que, mais les gars, il y a à parler. C'est trop. Les Ivoiriens peuvent ne pas connaître ce qui se passe. Nous, là, les Camerounais, on connaît comment on a tué les anglophones. On connaît comment on tuait certains pères. C'est un papa, les vieux, qu'on a brûlé là-bas au nord-ouest sud. Nous, on voyait les images. Pour Martinez Zogo, c'est ce que vous avez vu? Vous n'avez pas vu certaines images des anglophones? Mais j'appelle les anglophones que maintenant, là, voilà l'occasion qu'on demande la justice dans tout le Cameroun. On reconstruit le pays comme il était. On enlève tous ces mendiants influenceurs-là. Qui passent leur temps à poster les photos, qui vont mourir dans leur stress. Parce que quand ils postent, vous allez où même avec? Votre comédie là, qui ne me fait même pas rire, c'est le naturel, c'est le truc que moi-même je mets ma caméra dans la maison, on fait. Votre comédie là que vous montez tous les jours, il y a même le temps appelle madame et monsieur, et ils croient que c'est arrivé jusqu'à. J'ai dit que pour eux, c'est madame et monsieur là, on parle de ça, que c'est voilà. Amener même ça seulement dans un festival, on va jeter ça par la fenêtre. Seulement la façon des images. Vous avez quelle école de cinéma au Cameroun? Vous avez quelle école de comédie au Cameroun? Vous avez quelle école de musique au Cameroun? Vous n'avez rien. Donc tout ce qui se produit là-bas, c'est rien. En dehors de la nuit, vous n'avez rien. You got nothing. Vous n'avez rien. Quand j'étais mannequin, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais mannequin, quand on arrive ici à New York, je ne disais jamais que j'étais africain même. Oui, c'était le game. Bon, quelqu'un va dire que pourquoi tu voulais mentir. Oui, mais à l'époque des anciens, là, il y avait les gens qui se... Il fallait que je peigne même pour être un peu clair. Oui, parce que tu vas demander qu'il y a quoi au Cameroun. On va demander au Cameroun là même où. Donc il faut mentir même. Il y a quoi? Vous n'avez quelle école de commun? Vous ne faites pas rire, rien. Parce que c'est un Camerounais qui voit vos comédies là et il souffre là. Il va dire, Zoé, il fait même quoi non? Vous croyez que ça les remonte? Ça ne les remonte pas. Déjà, il faut qu'ils aient des crédits pour voir vos Micmac. Il faut qu'il y ait l'internet pour voir vos comédies. Donc, ça ne les aide pas. Ça n'aide pas le Camerounais. Il faut qu'il y ait la lumière même pour charger son cellulaire. Il faut qu'il y ait de la lumière pour charger son cellulaire. Donc, il ne voit pas vos sottises là. Vous influencez qui? Jusqu'à ce que vous êtes même content. Parce que quand vous faites un live, vous avez 6 dollars avec YouTube. Et c'est comme ça qu'on vous escroque. Ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui ont les moyens pour avoir YouTube. Les gens comme les Simo qui ont vendu leur âme. Ils escroquent les gris, ils escroquent les petits, les Steve Fa, qui a vendu tous ces gens. Il a vendu l'âme de Grand Barak, de Massamo. Toute une liste que tu as vendue. Où sont où? Où est Grand Barak? Où est Massamo? Où est Massamo?
Voilà ça que tu as vendu, c'est-à-dire 500 millions. 500 millions, tu es parti construire un truc. Ça va te hanter. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Maintenant, vous voulez parler, vous vous justifiez. Vous voulez montrer que non, je n'ai pas parlé parce que... Je n'ai pas parlé parce que... Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous voulez vous justifier en parlant? Pourquoi vous vous justifiez en parlant? Pourquoi vous pleurez? Il y a un autre qui est parti au Cameroun, on lui a donné une plante, on lui a donné un champ, des hectares de plantation. On lui a donné les hectares de plantation. Débrousse alors, tu ne peux pas débrousser. Tu pars, tu crées un poulailler dedans. Avec l'argent de l'IEB, l'IMAR, tu crées le poulailler dedans. Voilà, mais le poulailler ne marche pas, ça ne donne pas les œufs. Quand tu étais là-bas, tu disais que, oh, il faut investir au Cameroun. Hein. C'est un pays que moi, voilà, je suis de la diaspora. Tout le monde te regardait que, oh, voilà un gars qui a laissé la diaspora, il est parti travailler son poulailler. Maintenant, tu cours, tu viens livrer les pizzas. Je ne dis pas que ce n'est pas un boulot. Mais ne te mets pas en haut comme si tu es en haut. Parce que si j'ai l'argent comme toi, là, je ne livre pas les pizzas, swear to God. Et si vous ne demandez pas justice là, vous-même, ça va vous toucher. Hé, hey, mets pied au Cameroun, mon frère. Mettez pied au Cameroun. Kabuka. On vous dit que pour nous aussi, nous, on a aussi nos contacts là-bas. Mettez pied au Cameroun. Tu viens, tu te mets, tu insultes les Bamileke, tu insultes. Pourtant, la loi du Cameroun condamne ça. Et tu penses que tu vas arriver au Cameroun, Hé hey! Hey, là-bas où il y a le désordre, donc chacun a maintenant le désordre là-bas en haut. Donc il y a les gens là-bas en haut qui ne t'aiment pas. Tu as vu comment Dalis Camara et Steve face l'eau et le feu. Ngongo et Amourou, c'est l'eau et le feu. Donc ça veut dire que tes contacts et nos contacts, ce serait l'eau et le feu. Tombe là-bas. Oui, on a divisé jusqu'à. T'es divisé, chacun arrête sa paille, il met en prison. Tu arrêtes ta paille, tu mets dans le sel. L'autre arrête sa paille, il met en condengui. Celui qui est fort arrête, mais pour lui qui est en condengui. Celui qui est encore moins, il arrête, il met au sel. Chacun arrête sa part. Donc quand tu arrives, même vous là qui allez au Cameroun, diaspora là, vous qui n'avez pas parlé là, on a toute la liste. Hein. Donc quand vous arrivez au Cameroun, ne soyez pas surpris que mon conteneur est monté, c'est descendu. Ne soyez pas surpris que on m'a arrêté, on m'a mis au CED pour 2 jours. C'est Banana Republic. Si vous ne réclamez pas justice pour tous les Camerounais, un pays où il n'y a pas la justice, c'est la Banana Republic. Donc, chacun fait ce qu'il veut. C'est le laisser aller. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là? Donc ça, c'est mon dernier direct pour ces influenceurs mendiants là. Que voilà la mendicité qui a mené Duffy Duck, Bijan à gauche, Bijan à droite. Non, on est là, on demande Laurent et soit en prison. On demande Gongo en prison. On demande tout le gouvernement même en prison. Moi. Et puis mon groupe. On demande tout. Nous, on est en train de poser la question que Laurent et soit fait quoi encore dehors? Loi et sauf fait quoi? Gongo fait quoi encore dehors? Et tout ça doit être dans l'ongatate. Donc chacun arrête l'autre côté, l'autre arrête. Nous on allait regarder, on regarde, on veut que vous vous arrêtez, vous vous mettez en prison, on reprend le Cameroun là. Maintenant on ferme le Cameroun, on envoie les clés aux Gabonais et garde. Le jour qu'on revient, qu'il y a la justice, on nous remet notre pays. Clan de quoi? Vous ne pouvez même pas imaginer que. Aucun clan. Mais notre clan, c'est l'heure, c'est les deux clans. On est en train de voir qu'on arrête. Vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez. Parce que tout le monde l'a volé. On a déjà mis Amougou, Bijan. Il manque Laurent Esso. Il manque Ngongo. Il manque Atanganji. Tout le monde là doit être en prison. Tout le monde là. Laurent Esso doit être en prison. Demain même, après demain, on doit le convoquer.
Il fait quoi dehors? Un pays normal, il doit être en prison, on doit l'interpeller. Bon, voilà, on va faire mieux, on va venir dire que c'est normal que, elle supporte Amour ou Bellingham. Tu supportes Amour? Nous, on a dit que la paix, le suspect, voilà un suspect, parce que celui qu'on a, la victime a dit que c'est tel pour qu'elle soit me tuer. Donc tout le monde sait que c'est. C'est la personne là qui est suspecte. Mais toi, tu viens te dire que pourquoi vous accusez quand vous n'avez pas encore les faits? Toi, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Et tu supportes, au lieu de supporter le mort, tu as vu ça dans quel pays? Dans les pays, oui, dans les pays. Est-ce que le pays là, c'est un pays normal? Est-ce que le pays là, c'est un pays normal pour toi? L'anglais, je croyais qu'elle était trop intelligente. J'aime bien quand elle parle le français. Mais elle est tellement bête, elle n'est pas sage, elle n'est même pas intelligente. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la différence entre l'intelligence et la sagesse. Elle n'a même pas de sagesse. Et aussi la courte là, où c'est Aïcha machin là, qu'elle ne vient pas nous distraire avec les Congolais. Qu'elle ne vient pas nous distraire. Parce qu'elle est là au moins la visibilité. Qu'elle ne vient pas nous parler de que voilà, sortez-vous, elle nous sort les trucs pour nous distraire. Allez là-bas, vous signalez la page. On ne doit que parler de Martinez Zogo. On ne doit que parler de Martinez Zogo. Les gens qui ont décidé de parler de sans caleçon là, ce que je vais vous dire, ne vous mélangez pas. Si c'est le sans caleçon, restez dans le sans caleçon jusqu'à la fin. Ne venez pas parler de la politique. Parce que quand vous mélangez, là, c'est là que vous créez les problèmes. Si c'est le sang caleçon, restez dans le sang caleçon. Donc, ce qui concerne les choses là, pourquoi vous vous baladez? Vous êtes des prostituées, vous voulez manger ici, manger là-bas. Non, restez dans votre truc. C'est pour ça que j'ai dit à mes camarades, restez dans le sang caleçon, c'est ta force là-bas. Quand tu viens entrer ici là, c'est mauvais. Donc, dites à la petite là, de laisser ces histoires là. On peut vendre aussi le produit. On n'a pas besoin de la. Tu n'as pas besoin de la visibilité pour vendre le produit, mais mon bon sens. Si on connaît ton produit, on passe pour combien de fois. Est-ce que moi j'ai fait la publicité de mes produits ici? Parfois. Une fois en passant peut-être. Tu n'as pas besoin de ça, que tu vas créer du buzz pour attirer les gens pour vendre. Est-ce que je ne vends pas? Et s'il fallait faire par ça, tous les neuf de Facebook, c'est mes amis. Je devais créer des faux beurs avec eux pour vendre. Mais je ne fais pas ça. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous devez créer des histoires comme ça. Même l'Américain ne fait pas ça. L'Américain, quand tu as un bon, tous les gens achètent. Les gens achètent. Quand tu as un truc, les gens achètent. Mais vous voulez, Camerounais, vous voulez tu créer des buzz. Des faux, tu vous engouber dans des trucs qui n'ont pas de queue. Après ça, vous ne serez même pas là pour vous justifier. Des problèmes pour rien. Et ça va donner le seul. Regardez comment les toits cribiens souffrent. Tu as fait le live, elle souffre. Regardez comment Amel Kamel souffre. Vous faites le live, on vous insulte sur le live. On vous insulte, tu as 1000 personnes, 900 personnes t'insultent. Tu peux te suicider. Ces gens-là peuvent se suicider. Tu as 1000 personnes, tout le monde est en train de t'insulter. Toi-même, tu ne vois pas que c'est comment. Elle est là, elle souffre. Tous les jours, elle fait les directs. Elle va faire comment pour la politique? Elle doit vendre. J'ai pour les mingos, a touché. Donc, c'est pour dire que les gars, continuez dans cette lance. Si vous ne continuez pas là, vous allez souffrir. Voici l'occasion, vous les pseudo-influenceurs, de souhaiter pour qu'on profite pour la justice, pour tout le monde. De la justice de Martinez à la justice pour tout le monde. Anglophone, the same to you guys. You guys have to take the opportunity. This is a great opportunity to come all together.
United will stand. Yes, United, if you want to do it on your own, Francophone will do its own, you do your own, we will never. Remember, you can only be free when we are free. And we can only free when you are free. Vous ne pouvez pas être libre quand nous n'est pas libre. Et nous ne pouvons pas être libre quand vous n'êtes pas libre. Jamais dans la vie là. Jamais. Tandis qu'on n'est pas free dans ce pays là. Vous ne pouvez pas être libre, les anglophones là, tant que nous n'est pas libre. Et nous ne pouvons pas être libre tant que vous n'êtes pas libre. Ça veut dire que voilà l'occasion de Martinez Zogo que vous devez profiter et venir parler de l'injustice aussi. L'injustice qu'il y a eu au nord-ouest, sud-ouest là. C'était même plus atroce que Martinez Zogo. Mais comme Dieu fait les choses, c'est Martinez Zogo qui est le soleil de la justice, qui est venu nous ouvrir les yeux jusqu'au niveau international. Parce que à Florence Awafo, la façon dont on l'a tué, nous on a vu les images, pas seulement Florence, la façon qu'on a tué les gars des enfants de Gabou, on en a vu, c'était atroce pour ceux qui ont des enfants. Donc pour Martinez, là, ce n'était même rien, puisque beaucoup n'ont même pas vu. On a vu comment on tuait les gens au Nozo, live comme ça. Donc ce n'est même pas grave. Mais comme Martinez Zogo, Dieu sait faire ces choses, il a mis Martinez Zogo comme notre étoile pour venir qu'on profite de ça. Et quand vous êtes tellement égoïste dans ce pays-là, les anglophones et les francophones, oh non, quand on nous tue au nord-ouest, sud-ouest, vous avez fermé la bouche. Vous avez dit que c'est les terroristes. Et maintenant, quand on tue les gens, vous voulez que nous on vienne. Ça, c'est quoi ça? Et vous allez, pour vous, on va arranger quand? Pour nous, on va arranger quand? On va arranger ça quand? Et où est l'avenir de la, où est l'avenir de cette jeunesse-là? Les enfants que vous accouchez, où est leur avenir? Où est leur avenir? Si tout le monde est égoïste comme ça, est-ce qu'il y a même l'avenir dans ce pays-là? Ah, Ngolo, mon frère. C'est un moyen de... Maintenant, là, si vous ne parlez, on ne va pas lâcher l'affaire Matisse. C'est tous les jours qu'on va dire justice pour Matisse. Tous les jours qu'on va dire justice. Si vous voulez, vous ne venez pas parler. Nous, là, on est dans ça. L'affaire de Martinez Zogo est seulement venue remplir, être dans le panier de notre justice. Parce que nous, on réclame la justice de plus pour les professeurs, pour les enfants, pour les écoles, pour la charité. Nous, on réclame ça depuis. Nous, on veut le changement depuis. Donc, l'affaire Martinez Zogo est seulement venue compléter. Et si vous voulez qu'on change, vous allez venir changer. Si vous voulez qu'on va vous stresser, on va vous insulter tous les jours. Nous, on est déjà grillés. On va vous insulter tous les jours. Vous venez vous appeler certains disent que c'est les blogueurs. Vous savez ce qu'on appelle blogueur? Vous savez ce qu'on appelle blogueur? Même influenceur, là, vous êtes loin de ça. Vous êtes que des fous. Même influenceur, parce que vous n'influencez pas. Vous n'influencez ni le gouvernement, ni le peuple. Vous n'influencez rien. Vous êtes que des profiteurs. Voilà un gars. Une fille vient, elle met sa nudité. L'un autre prend pour faire la visibilité. Il lui met dans la comédie. Elle commence à faire des trucs. Elle se vend encore même plus cher. Peut-être que les opportunistes, les mendiants, les influenceurs à deux balles. Les influenceurs à deux balles. Vous n'échangez ni le gouvernement, vous ne parlez ni au gouvernement que des choses et des faits des sociétés, rien. Vous devez être les piliers là. Vous devez être ceux qui parlent. Même votre comédie là, vous ne faites rien qui a à voir avec les faits des sociétés parce que vous avez peur. Voilà Longuet. Aujourd'hui là, il ne peut même pas parler. Mais on va prendre ta musique là, on va chanter. Le gouvernement là va savoir que c'est toi qui avais chanté. On va les rappeler. Je vais jouer ta musique pour parler de détourneur du point public là. On va jouer les anciennes musiques là jusqu'à comme tu ne veux pas parler de ça, tu t'es levé pour aller parler de DJ Congélateur, un pays que tu n'as même jamais mis pied dedans. On va jouer ta musique là, ta musique était vraiment la musique du combat là. On va jouer ça, ce gouvernement là va se rappeler. Et
même la famille, même Belinga Amougou va se rappeler. Merci, merci, merci. Ferme la porte de la caisse, tu vas déchirer la batterie. Comme tu es un bout de man. Mon frère, moi j'ai fini. J'ai fini, merci même de me dire ça. Moi j'ai fini. Mais au travail. Tu travailles pour, tu parles pour un pays qui ne va jamais même changer. Ils sont là. Ils sont là comme les mougou. On les escroque. On les escroque. Celui-ci vient, il prend sa part. Quelqu'un qui a le talent, un grand vient, il l'utilise, il mange derrière lui. On vole toutes les plantations. Celui-ci arrête, celui-ci on met en prison. Tu veux demander que pourquoi tu as mis en prison. Il dit que l'autre dit que tu es jaloux. Tu es jaloux parce que je suis jaloux parce qu'il dit que pourquoi tu mets l'autre en prison. Un pays qui est... Aïe, aïe, j'ai vu un commentaire, on a dit que la mère de Dofido, la mère de Bruno Bidjan a dit qu'elle est venue, elle est venue pour voir son enfant au sein, on l'a chassé. Et quand elle a mis en bas que c'est le voix bébé, et elle vient voir quoi. Elle est camerounais. Oh, c'est vraiment impeccable. Franchement, impeccable. C'est so sad, though. C'est vraiment impeccable. Il y a des gens, 40 ans, ont aucun avenir dans ce pays-là. 40 ans, ils sont toujours 11 sur 11. 11 sur 11. Ils n'ont jamais progressé. 40 ans de misère. Tu les vois, ils montent. L'enfant vient, il avait son enfant, et deux, ils souffrent. Ça lui dit rien. Ça lui dit absolument rien. Who gives a fuck? Voilà que nous, on souffre ici. 40 ans, il vit, il n'a pas eu le temps. J'ai pris mon billet, je suis à la canne. Je suis à la canne. Passez votre temps. J'ai pris mon billet. C'est un pays qui est... c'est fort. On veut que tous ces gens dans les pays, dans les temps, dans les pays normaux là, tous ces gens-là soient en prison. Tous ces gens-là. Donc aujourd'hui là, on n'a même pas un, on n'a même pas dit que c'est mon que c'est que ça c'est pas. Il n'y a aucune information sur les enquêtes. Donc vous pensez que comme parce que les journalistes des frontières là, ont pris le dossier en main, ça veut dire que vous n'allez pas nous informer. Informez-nous. Informez-nous ce qui se passe. On doit avoir le day to day. Ce qui se passe là-bas, on doit savoir, le peuple camerounais s'indigne, on va savoir. Comme Karine disait, moi la famille de Martinez là, je n'enterre pas, mais comme c'est un pays de corruption, c'est que les vivants vont prendre l'argent. Je me rappelle l'enfant qui a eu une blessure, il est parti à l'hôpital pour qu'on couse. À l'hôpital central pour qu'on couse la blessure. On a retiré que tous les parties de son corps. On a retiré tout. On a crié ici, crié justice pour. On l'appelait le petit là comment? Justice. Finalement, l'affaire est passée. On a cet ils sont assis dessus. C'est sûr qu'ils ont donné même 30 millions. 30. Ouais, une famille, les mendiants, les pauvres, vendent de leur valeur. C'est sûr qu'on a donné 30 millions à la famille là, que dit on laissé. On couvre ça, on a vendu tous les organes. On a vendu tous les organes. 30 millions, c'est quoi pour eux? On dit qu'ils ont volé. Ils ont tué au moins 200 personnes. Et c'est la petite Ivana là qui vendait les ossements là. C'est elle qui était là-dedans. Quand on tuait les gens, elle prenait, elle allait vendre. C'est pour ça qu'elle est en prison. On s'est assis sur les dossiers, assis, s'assoit. Vous les influenceurs là, vous ne voulez pas parler, vous allez disparaître aussi comme ça. Je vous assure, ne parlez pas. Vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Vous avez des gens comme nous, on vous fait ouvrir les esprits. Vous n'avez pas de sagesse. Vous êtes que des pauvres, pauvres même de sagesse, pauvres même d'école, parce que l'école vous n'avez pas. Vous n'êtes pas allé à l'école. Il n'y a pas l'école au Cameroun. Il n'y a rien.
Il n'y a aucune école au Cameroun. Il n'y a même pas les professeurs. Vous avez vu une école là où on dit que où les enfants ne peuvent même pas dire, prononcer un mot. Il n'y a aucune école. Ça veut dire que vous n'avez ni éducation, ni sagesse. Vous n'êtes que les zombies. Mof. Allez là-bas. Vous n'avez rien. Mais vous avez les gens de la diaspora qui voient. Qui sont hors du mythe de cette caverne-là, qui vous dit que Gaïa a la lumière, voilà ça. Mais vous faites comme vous ne voulez. On vous a fermé les yeux. Parce que c'est ça la loi des illuminés. Tu ne parles pas. Tu vois, tu ne parles pas. Ça, c'est leur loi. Tu parles, tu es fini. On va tout partager les trucs. J'ai dit qu'on ne donne pas l'argent. Ne venez pas dire que, oh, je n'ai pas reçu l'argent. On ne donne pas l'argent. Même Ahmed Kamel n'a pas eu l'argent. Ahmed Kamel a eu l'hectare là qu'on a donné pour lui, c'est la forêt. Il a profité de mettre les poulets dedans. Mais maintenant, il n'a pas l'argent pour travailler avec. On ne donne pas l'argent, on vous donne de ma toche. Tous ces influenceurs ont des voitures. Tous ces influenceurs ont les voitures. Qui leur donne l'argent? Ils payent ça où? Les voitures de 30 millions. Ils font quoi? La comédie là? Hein? Vous avez dit que c'est Orange qui vous. Orange, les miettes qu'Orange vous donne, ça peut acheter les voitures de 30 millions. Mais. Frère, les gens, vous êtes des mougous. Nous, on n'est pas les mougous. Vous avez pris l'argent. Donc, on a dit quoi? J'ai pas remis, nous a mis sur le petit vélo. On s'emballe les couilles. J'ai pas remis à dire ce qui est vrai. Ce qui est sûr que 80% est vrai. Ce qui est sûr, s'il y a le nom de cœur, s'il y a une personne qui a son nom dedans qui est vrai. Il y a possibilité que tout le monde même est vrai. Qu'est-ce que tu racontes là? S'il y a une personne, c'est la probabilité. S'il y a une personne sur ça qui a l'argent, il y a probabilité que tous ont l'argent. C'est tout. Donc ne viens pas nous embrouiller. Bref. Les influenceurs. Vous influencez quoi? Vous n'influencez ni le gouvernement, vous n'influencez ni les Camerounais. Tout ce que vous faites, c'est du négatif. Parce que votre pays même est négatif. Baf. Merci les gars. Partagez ça si vous pouvez. Moi aussi, je suis fatigué de leurs histoires. Si du cas, ils veulent commencer à travailler mon programme là. Baf. Quand je vais commencer à. Je vais prendre les chiffres que vous ne voyez même plus. Parce qu'on devient même fatigué à la longue. Facebook, vous payez Facebook, on nous reste. Ma page, je dis mon avis est où? Facebook, vous allez payer Facebook, on m'a coupé ça. Ma page, je dis moi, on m'a coupé ma page. Les salauds comme ça, dis donc. Je ne peux plus dire, mais je dis mon avis est où? Même celle-ci, elle est restreinte. Vous coupez. C'est parce que je ne veux pas, si vous voulez aller à TikTok, TikTok au moins, à TikTok, je ne peux pas gâter ma page de TikTok, c'est les Américains, je ne peux pas vendre ça pour vous. Vous ne méritez pas. Je ne peux pas vendre ma page de TikTok pour parler des problèmes camerounais. Jamais de la vie. En passant. Mais je ne peux pas sacrifier ma page de TikTok. Bertini 1. Allez là-bas. Je ne peux pas sacrifier ma page de TikTok pour parler de vos problèmes. Je vais utiliser ce que j'ai là. Parce que vous-même, vous êtes des fainéants. Les fainéants. On est là, on souffre, on défend. Il y a un groupe qu'on les paye carrément. Les gens qui n'ont aucune valeur, sans scrupule. Et vu comme Myanda et toi, Kribien, comment ils peuvent supporter? Donc quand on a tué la façon dont on supporte, on le supporte en Martinez Zogo parce que Martinez Zogo même c'était un sardinat. On supporte parce que la façon dont on l'a tué, c'est la justice. On a toujours supporté ça. On a toujours dit qu'on ne veut pas la façon dont on tue les gens, que ça soit du Nozo, que ça soit du Cameroun. C'est méchant. Tu te lèves, tu viens parler de ça. Tu viens dire que tu supportes Amougou. Mais c'est quoi ça? Même si ce n'est pas lui qui a tué. Tu devais te taire, bé. Tu devais se fermer ça. Tu devais fermer ce que tu appelles bouche là. Tu te tais, mieux tu te tais.
Mais comme tu es une vendeuse de produits, tu vas vouloir utiliser ça pour vendre ton produit, ta chanson. Mais c'est méchant. Tu pouvais utiliser un autre contenu pour faire ça. Tu pourrais même encore utiliser autre chose, hein, pour faire ça. Quelqu'un comme Amel Kamel, qui est déjà négatif dans son casier judiciaire, négatif, que ce soit avec les Bamileke, que ce soit avec les Betty Patriotes, que ce soit avec les Fayman, que ce soit avec le gouvernement même. Pour lui, alors, il est fini. Ça veut dire que le gens qui marche en rue se regarde comme ça. Il ne sait même pas où le fuck I am. Oh, il se amène ses cheveux, seulement il aura perdu ses cheveux. Oui! Partout le monde, tu tiens un direct de 1900 personnes te détestent. Sache que même en roue la marche, tu te regardes, tu te contrôles. Hmm? Tu viens parler des Bamileke. Tu t'es une liste de bandits. Il n'y a même pas un Bamileke dedans. Tu te demandes, tu te poses pas les questions, mais tu deviens ridicule. Tu deviens ridicule. Les Bamileke, on a vu le pire de toi et le pire des Camerounais. Parce que tout ce qui est là, vous êtes que les Bamileke sont comme les Blancs. Ils ont peur de, comme les Blancs ici, quand le Blanc a peur de dire nigger. Le Bamileke a peur de parler, de dire bêtis. Le Bamileke a peur. Le Bamileke a peur de parler de tribalisme. Parce qu'il a peur qu'on va dire qu'il est tribaliste. Mais vous, vous parlez comme si c'est le pain de, comme si c'est du pain. Vous n'avez pas peur. Mais vous croyez que c'est parce qu'on a peur. Non, on n'a pas peur. C'est parce que vous ne vous servez à rien. Parce que vous ne nous servez à rien. On vient, on achète vos maisons, on vous met encore dedans. C'est comme les Ivoiriens regardent les Camerounais. Parce que la façon dont les Ivoiriens regardent les Camerounais, c'est comme ça qu'on vous regarde. Laisse ça, Boutman. C'est comme ça qu'on vous regarde. Tu viens parler ici. Tout Kennedy, c'est qui? Tu ne regardes pas ça. Les vrais bêtises même ne parlent pas. Les vrais bêtises, les vrais quoi, disons même quoi en général. Les vrais quoi, avec valeur là, ne viennent pas s'exposer. Parce que je sais que le Camerounais, c'est des gars qui ont la dignité. C'est des gars qui ont vraiment la valeur, le Camerounais. Le Camerounais ne se laisse pas. Le Camerounais, c'est des gens qui ont de valeur. Mais quand les gens comme vous là, les vrais même quoi, il y a même les bêtises même qui te regardent. Ils te regardent comme si tu es un clown, tu es un dessin animé. What the fuck is he talking about? Les vrais bêtises même ne parlent pas de ça. Et même le gouvernement, là, les gars du gouvernement, là, ils savent qu'ils mangent avec les Bamileke. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne parlent pas de ça. Non, ça n'est jamais venu de là-bas. C'est toujours vous, les pauvres, les mendiants, qu'on vous utilise. Je t'ai dit que toi là, tu devais déjà amener, depuis le hold-up électoral, c'est toi qui voulais amener la guerre entre les bêtises et les Camerounais. Mais les bêtises ont compris, on vous ont compris. Certains bêtises ont compris que c'est ce que vous voulez. Et certains Bamileke ont compris. Donc ça veut dire du réchauffé. Quand vous menez le tribalisme, ça ne passe même plus. Ça passe plus. Du réchauffé, dis donc. Allez là-bas avec. On ne lâche pas l'affaire là. On ne lâche pas. Vous les influenceurs, nous on va seulement créer notre part de brigade. On va créer, si vous dites ça là maintenant en secret, nous on va créer une brigade des influenceurs. On va vous signaler. Le jour qu'on entend que vous ne parlez pas de Martinez ou de la justice du Cameroun, on vient, on vous signale. On va créer une brigade, même s'il faut payer, on va payer. Pour vous là. Pour vous là, on va créer une brigade pour vous seulement. Vous savez comment flore les abeilles, non? On va créer une brigade. Peut-être on va payer, c'est les vrais fourmis maniens. Même s'il faut les payer, quand vous avez vos micmacs, vous ne voulez pas parler de la justice du Cameroun, on vient, on signale vos pages là. C'est les qui ça, non, mon frère? Vous n'avez rien. En dehors de les voitures que vous avez, les voitures, mais vous marchez sur quelle route avec? Vous êtes content, vous prenez les photos. Vous n'avez pas les photos où, comment avec les bonnes voitures qu'on vous donne. Vous allez prendre les photos où? Non, pas les photos sur les bonnes routes. Les Ivoiriens prennent. Vous avez vu les gars, les Ivoiriens, vous avez fait aussi le challenge des voitures. Fingon est venu tirer ses voitures avec sur la poussière.
Vraiment, hein? Vraiment. Quand vous n'avez rien, vous avez beaucoup, que ce soit inspiration, qu'il y a beaucoup pour s'inspirer dans ce pays-là. Beaucoup, beaucoup à parler. Vraiment, si j'étais dans ce pays-là, je parlais pour les contenus. Voilà, Facebook qui paye même les gens, vous n'avez rien de contenu. Pourtant, il y en a beaucoup à parler. Mais tellement vous avez les miettes, les 100 000 ici, les 20 000 ici, vous voulez vous taiser. Vous ne voulez pas parler. Et si vous vous taisez, on va créer une brigade anti-influenceur. BAI. Quand vous venez, au lieu de parler de Matisse, vous voulez parler du Congo, ça, là, on envoie la brigade là-bas chez vous. Pendant que on vous envoie aussi, nous, on va aussi envoyer les gars là-bas. Kabuka. Paf! Donc, dérangé. Merci, c'était mon direct. Merci pour ceux qui étaient connectés. Partagez, merci les gars.